Ça y est, les jours rallongent. Il est 20h et il fait encore jour. J'adore cette période de l'année juste pour ça en fait. C'est vraiment trop chouette. Bon, la vue de ce nouvel appart n'est pas incroyable, mais on fait avec. Au moins on voit le ciel. On se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui débute à la maison puisque cette semaine, ce n'est pas la première fois, je n'ai pas réussi à avoir de train pour aller travailler à Paris, voilà, en raison des grèves, ça devient habituel chaque semaine. Donc je suis en télétravail et voilà, donc on s'adapte, j'ai mon bureau qui est up juste ici et voilà, on fait comme on peut. Donc forcément voilà, je vais peut-être avoir plus de temps pour vous prendre cette semaine puisque je serai à la maison. Dixit la fille qui vous prend un mardi pour commencer cette semaine de vlog puisque je n'ai pas eu le temps de le faire hier. Mais bref, je vais faire comme je peux. Donc on se retrouve pour un premier update lecture. Alors déjà je vais commencer par la lecture que je n'ai pas pour l'instant continuée. Donc je vous en ai parlé je crois dans le vlog précédent, je suis en train d'écouter en ce moment sur Audible Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher et j'ai d'ailleurs très bien avancé puisque j'ai écouté l'équivalent de 280 pages sur les 460 qu'il fait. J'adore cette histoire, seulement la semaine dernière j'ai lu dans le train plus que je n'ai écouté je crois et cette semaine je n'ai pas de train. Je n'ai pas de transport même en général, donc je ne suis pas sûre d'avancer beaucoup. À la fois, j'aimerais reprendre cette histoire, j'aimerais me replonger dedans, donc je vais voir si j'ai des petits moments off où justement je peux reprendre mon livre audio, ce sera cool. Donc je l'écoute sur Audible et voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, je vous le dis, enfin je le mets toujours dans les descriptions de la vidéo. Si vous ne connaissez pas Audible et que vous souhaitez tester, vous avez un lien avec un code de parrainage dans la description de la vidéo. Voilà, ça peut vous permettre d'avoir notamment un mois d'essai gratuit. Bref, donc ça c'était pour la lecture que je n'ai pas repris pour l'instant, ce qui explique que je ne vous en ai pas du tout reparlé. Et parallèlement, je suis en train de lire Le Chuchoteur de Donato Carisi, donc je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Et franchement, j'adore. Pour l'instant, j'ai lu 230 pages, donc j'ai plutôt bien avancé quand même depuis ce que je vous disais dans le dernier vlog. Il en fait toujours 570. Donc il m'en reste quand même pas mal, il m'en reste à peu près 300, mais ça se lit à une vitesse dingue. Là je suis arrivée à un stade où je suis presque à la moitié et il y a énormément de suspense, il y a plein de rebondissements. À chaque fois quand j'arrive en fin de chapitre, j'ai envie de connaître la suite. Et voilà, donc autant c'est vrai que sur les 100 premières pages, forcément le cadre se pose. On part à la rencontre des personnages principaux, des enquêteurs. On essaie aussi de comprendre un petit peu l'étendue des dégâts et puis comment cette enquête va être menée, qu'est-ce qu'on cherche à savoir. Autant là, c'est vrai que sur les pages, on va dire à partir de la page 160, 150, 160, l'intrigue commence vraiment à être posée et là on rentre dans le suspense, il y a des rebondissements, c'est hyper visuel. Vraiment, je m'imagine regarder une série en fait et voilà. Donc vraiment pour l'instant, j'aime beaucoup avoir en continuant bien sûr, mais étant donné toutes les louanges que vous m'avez faites sur ce roman, je pense qu'il y a peu de chances quand même que je sois déçue et puis bien sûr, je vous en reparle dans la semaine. Je pense que je vais essayer d'avancer au max pour vous dire, ce midi, il faisait hyper beau. Pas très chaud mais hyper beau et donc je suis partie me mettre sur la terrasse avec justement mon livre en prenant un bain de soleil et voilà, chose que c'est vrai que je fais peu en ce moment, lire entre midi et deux c'est compliqué. Généralement j'utilise ce temps pour faire pas mal d'autres choses, des tâches ménagères etc, me poser, voilà, faire à manger, ce genre de trucs et c'est vrai que là ce midi j'ai pris du temps pour lire et ça fait un bien fou. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'aime ma lecture pour l'instant. Voilà, de mon côté donc pas de réception en ce début de semaine, je vous en parlerai bien sûr si je reçois quelque chose et surtout je vous reprends demain.
assez drôle parce qu'en ce moment, je regarde des vlogs d'Estelle sur mes pauses déj, des vlogs qui datent d'il y a 2 ans parce que tout simplement, j'ai envie de trouver de nouvelles suggestions de lecture, de vlogs que j'ai déjà vus hein, il y a 2 ans. Mais peut-être que voilà, je me dis que j'ai laissé passer certaines suggestions parce que à l'époque, il y avait certains romans qui ne me tentaient pas ou voilà, et depuis, mes goûts ont changé. Donc, j'aime bien me repasser de temps en temps d'anciens vlogs et notamment d'Estelle. Et là, je rigole parce qu'en fait, elle est en train de faire sa pause déj et elle lit. Et littéralement, il se passe la même chose ici. Donc voilà, ça m'a fait sourire et surtout bah, là je crois qu'il est 13h20 au moment où elle le filme et au moment où je vous parle, il est 13h25, donc on est à peu près sur le même mood. En tout cas voilà, je vous reparle de ma lecture assez rapidement et face cam, mais je profite donc de ma pause déj pour avancer un peu dans ma lecture du Chuchoteur. J'en suis page 311, donc il me reste 260 pages à peu près. Et vraiment, j'adore cette lecture, c'est hyper prenant. Je passe un trop trop bon moment, il y a plein de rebondissements, il se passe plein de choses. Donc voilà, vraiment une super découverte. Et je vous prends tout à l'heure face cam pour un unboxing puisque j'ai reçu vraiment beaucoup de colis. Et il faut que je vous montre tout ça. Hello, on est jeudi, je suis donc en télétravail à la maison et je vous prends, c'est le retour des vlogs par terre, ça y est, j'ai abandonné l'idée d'être sur le canapé parce qu'à chaque fois je peinais à régler le trépied qui tient pas très bien, en fait il manque un cache et donc ça glisse sur la table, bref c'est n'importe quoi. Donc je suis par terre, vous avez vu sur la paupiette qui est en train de faire sa sieste, ou plutôt devrais-je dire l'une de ses nombreuses siestes à la journée. Donc je vous prends pour plusieurs choses, je vais très rapidement vous faire un update lecture puisque je ne l'ai pas encore terminé, mais donc j'ai avancé sur le Chuchoteur de Donato Carisi, j'en suis page 310. D'ailleurs je ne vais pas vous faire d'update en fait, tout simplement parce que je vous ai pris entre midi et deux, effectivement c'était pas facecam mais je vous ai dit voilà que j'étais dans cette lecture et que j'adorais, donc je vous en reparlerai mieux quand j'avancerai. J'ai pas énormément avancé, j'ai dû lire 10 pages, donc j'en suis page 320 par rapport à la page 310 dont je vous parlais tout à l'heure, donc pas grand intérêt. Je pense que je vous en parlerai mieux demain, je vais essayer d'avancer en fin de journée et ce soir, même si je dois aller faire des courses, aller chercher un colis, etc. etc. et travailler accessoirement. Et voilà, donc en tout cas j'ai reçu 3 colis qu'on va ouvrir ensemble, donc je vais commencer par 2 colis de livres. Bien que le troisième soit quand même en lien avec les livres. Donc, on va commencer du coup par les colis, les réceptions, si vous voulez. Donc, j'ai reçu un premier colis qui me vient de chez Albin Michel. Et je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est... Alors, il y a même un pins avec. C'est un roman de Zoé Brisby qu'on a beaucoup vu passer en ce moment. En fait, je sais pas pourquoi, je suis passée à côté quand j'ai rempli le formulaire Albin Michel. Et entre-temps, Zoé Brisby m'a directement contactée pour me proposer de le recevoir, puisque donc j'avais lu et beaucoup aimé son roman de Noël, La fille qui n'aimait pas Noël. Et voilà, donc elle me l'a très gentiment proposé. Et en fait, il a tardé à arriver. Je pense qu'il y a peut-être eu des soucis aussi avec mon déménagement et tout ça. Et donc, je le reçois enfin, je suis trop contente. Donc, c'est Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, c'est son dernier roman. Et donc, je vous lis la quatrième de coup. Summer ira peut-être en enfer, mais elle ira avec Charlie. Las Vegas, 1952. Elvis, Marilyn et l'Amérique en pleine guerre froide. Summer et son mari vivent dans le désert du Nevada sur une base militaire qui étudie la bombe atomique. À chaque lancée, ils sont aux premières loges et il n'y a que Summer pour ne pas savourer le spectacle. En bonne épouse, elle joue le jeu et organise des barbecues atomiques. Sa docilité volera en éclats avec l'arrivée d'une autre bombe sur la base, Charlie. Elle est tout ce que Summer n'est pas, forte, indépendante et sensuelle. Tandis que les hommes s'extasient sur le miracle de la science et la puissance de l'Amérique, Summer et Charlie décident de prendre en main leur destin. Et ce roman me tente beaucoup, alors déjà parce que j'ai vu énormément d'avis passer des copines disant que c'était une pépite, et à la fois parce que j'ai envie de découvrir Zoé Brisby dans un autre registre. En fait, je n'ai jamais lu cette autrice autre que sur son roman de Noël, et voilà. Et donc forcément, qui dit roman de Noël, j'avais passé un super moment, mais dit forcément histoire un petit peu plus légère, voilà. Donc je suis hyper emballée par la thématique, par la période. Je pense que si vous regardez ces vlogs depuis le début, vous savez que les années 50
50-60 aux États-Unis, c'est une période que j'affectionne énormément, avec bien sûr ses avantages, ses inconvénients, tous ses travers. Et voilà, donc j'ai trop hâte, je trouve cette couve hyper, elle me donne hyper envie, je la trouve assez fun. Donc voilà, je vous en reparlerai. Il n'est pas très long, il fait 320 pages et on n'est pas sur un format broché. Pour vous mettre un poche à côté, on est, j'ai l'impression, sur les petits formats Albin Michel. Voilà, donc première réception, je suis trop contente. Et du coup, l'autre colis me vient aussi d'Albin Michel. Je pense qu'il est parti dans un colis séparé. Je ne me souvenais plus que je l'avais demandé. Et du coup, je sais ce que c'est parce qu'il est arrivé complètement déchiré, donc il était ouvert. J'ai reçu un gros bébé. Hop! Qui n'est autre que le dernier roman de Stephen King qui s'appelle Conte de fées et Fairy Tale en version originale. Cette couve est relativement flippante mais très très belle. Ce roman, pour tout vous dire, c'est une véritable sortie de ma zone de confort. Tout simplement parce que je pense que vous l'avez remarqué, je ne lis pas d'horreur, je ne lis pas de fantastique. Et jusqu'ici, les différents Stephen King que j'ai pu lire, Stephen King devrais-je dire, que j'ai pu lire était vraiment pas dans ce genre-là. J'ai lu La Ligne Verte, j'ai lu 22-11-63, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu Qu'est-ce que j'ai lu d'ailleurs? C'est une bonne question. Je sais plus, il m'en manque un. Et j'ai lu Billy Summers, voilà. Donc les trois que j'ai lus, vraiment, il n'y avait pas du tout d'horreur ni de gore là-dedans. Il n'y avait pas non plus de fantastique, bien que dans 21-63, on a quand même une petite partie qui ne se passerait pas dans la vie de tous les jours. Mais l'histoire est quand même basée sur la vie quotidienne telle qu'on la connaît. Et voilà. Donc, avec celui-ci, vraiment, je me laisse tenter dans quelque chose que je ne connais pas. J'ai d'autant plus peur que j'ai vu depuis sur Livre Addict qu'il a 3 avis, qu'il est noté moyen. Donc je vais voir, très sincèrement. J'ai vraiment envie de me laisser tenter, j'ai envie de découvrir. C'est pas un roman que je me serais risquée à acheter, c'est sûr et certain. Mais je profite, voilà, qu'il me soit envoyé par Albin Michel pour le découvrir. C'est aussi fait pour ça, mine de rien. Les services de presse, c'est aussi pour... Enfin, de ce que je pense, c'est aussi pour sortir de sa zone de confort. Donc voilà, je vous en reparlerai. C'est un gros bébé. Et donc, je vous lis la quatrième de couve. Le génie narratif de Stephen King atteint de nouveaux sommets et bouscule les frontières de l'imaginaire. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Voilà, je crois de mémoire que sur Livre Addict, il y avait plus de détails par rapport à cette quatrième. Là, elle reste volontairement très mystérieuse. Donc, je vous invite à aller voir Livre Addict, Babelio, Fnac, je ne sais quel site vous citez. Mais voilà, allez voir peut-être pour avoir un peu plus de détails sur cette histoire. Je vous en reparle. C'est un gros bébé. Il est à 25 €, ce qui est clairement pas donné. Mais quand on voit... Il fait 750 pages quand même, format 720 pages, pardon, format broché, donc je pense que pour le coup, ça les vaut. C'est toujours mieux que d'acheter des livres à 22-23 € pour à peine 200 pages. Donc voilà, bref. Donc, dernier Stephen King reçu. Et ensuite... Donc là, on est sur une réception full Albin Michel pour l'instant. Ensuite, j'ai reçu un colis qui me vient de chez Muse et qui est sponsorisé par mon portefeuille. Voilà, puisque je me suis fait plaisir, j'avais envie de m'acheter des t-shirts. J'avais envie d'un peu de nouveauté dans ma garde-robe. On est au printemps, ça y est. Et c'est vrai que voilà, jusqu'ici, j'avais fait assez peu d'achats. Déjà, de manière générale, j'achète peu de vêtements, on va dire. Et là, je suis dans une période de total renouveau où, en fait, j'ai envie de changer ma déco. J'ai envie de changer de garde-robe et voilà, et ça fait du bien. Donc, j'ai reçu un colis de chez Muse et je vais... Alors, je l'ai déjà pré-ouvert, je pouvais même pas attendre. Je vous montre à quoi ressemble ce que j'ai commandé et après, je vous montre ce que ça donne une fois porté. Donc, j'ai reçu 3 t-shirts que je pense vous avez vu passer à peu près partout. Donc, on va commencer par le premier qui est le seul que je n'ai pas ouvert. Tintintin. Donc, je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram. J'ai créé mon propre t-shirt en collaboration avec Angéline de chez Muse. Et j'ai reçu, moi, le t-shirt donc en blanc. Le logo, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer un peu mieux après. Donc, nous avons un café, enfin une tasse de café, des livres et un chat. Ce qui
clairement me caractérise puisque le nom de mon compte c'est du café et des livres et j'aurais pu rajouter et un gus. On a volontairement pas fait le chat en roue pour que plus de personnes puissent s'identifier aussi à ce logo. Et voilà, et donc je l'ai en blanc, j'en suis totalement fan et j'ai commandé celui-ci pour ma maman qui le voulait en bleu marine. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, je vais être obligée de tout arracher. Il est trop beau. Je l'avais jamais vu d'une autre couleur. Hop, je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop, donc il est bleu marine. Il est hyper canon, donc je l'ai pris en M pour ma maman. Mais sa taille assez grand, on va dire. Je pense même qu'il lui sera peut-être assez large, mais aussi, il lui ira, je pense. Maman, si tu passes par là, voilà, tu as la surprise avant l'heure, même si tu le savais. Pour moi, j'ai pris un S, et voilà, c'est les mêmes tailles que j'utilise, enfin que je prends à chaque fois, que ce soit pour les sweats ou pour les t-shirts. Et j'en suis ravie. Donc celui-ci d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire puisque je vous en ai pas du tout parlé en vlog, j'ai mal fait mon travail. Donc ce t-shirt là, il est dispo jusqu'au 2 avril. Le 2 avril, c'est ce dimanche quand sortira ce vlog. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite pour en profiter. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez également aller voir sur Instagram dans mes stories à la une, il y a effectivement le lien aussi. Voilà, donc quand cette vidéo sortira, ce sera le dernier jour pour en profiter. Donc ça, c'était pour ma maman. Et ensuite, du coup, je me suis commandé deux t-shirts pour moi. Le premier, je ne vous en parle pas souvent ici, mais je suis fan d'Harry Potter dans la vie de tous les jours. Je ne crois pas qu'il se voit. J'ai d'ailleurs une figurine pop dans ma bibliothèque. C'est la seule que j'ai. On en a une chacun avec mon chéri. Lui, il a Maître Yoda et moi, j'ai Harry Potter. Voilà, donc forcément, quand j'ai vu le t-shirt qui était sur la boutique de Muse, j'ai totalement craqué. Ça faisait, je pense, 3 ou 4 mois que je voulais l'acheter. Et là, Angéline a annoncé que certaines des références présentes sur le site depuis assez longtemps allaient disparaître. Et ne sachant pas lesquelles, j'ai préféré prendre les devants. Donc, j'ai commandé ce t-shirt qui est rose, rose pâle. Il est magnifique. Et dessus, la petite broderie donc sur le cœur, c'est Happy Birthday Harry, qui n'est autre que la référence du gâteau d'anniversaire d'Harry Potter que Hagrid lui offre. Voilà, donc je suis clairement trop fan de la ref, trop fan du logo, trop fan de la couleur qui va changer aussi puisque j'ai pas du tout l'habitude de porter du rose, plus du vert, du bleu, ce genre de choses. Donc voilà, trop contente. J'ai pris un S comme vous pouvez le voir, sa taille un peu grand comme ça, mais je vous montrerai à quoi il ressemble une fois porté. Et je suis trop heureuse. La matière, elle est hyper légère, c'est tout ce que j'aime, c'est parfait pour l'été. Et surtout, donc en fait, on a des manches, je vous montrerai là aussi. Les manches sont assez grandes sur celui-ci, mais généralement, moi, je les retrousse pour faire une sorte de revers. De revers, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Et voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour un autre t-shirt que, pareil, qui me faisait envie depuis trop longtemps, qui n'a pas la même coupe, celui-ci. Donc, il faut que je vois en l'essayant. Et il est magnifique. J'ai craqué pour le Austin Bronte Christie. Voilà, il est trop beau, c'est un classique de chez Muse. Clairement, je pense que c'est un des premiers t-shirts qui est sorti. Donc, il est brodé hop, rouge comme ça sur le cœur. La broderie, elle est trop quali. Enfin, les broderies de manière générale sont vraiment trop quali. Et là, on est sur une coupe vraiment féminine près du corps. Donc voilà. Donc, je vais essayer tout ça et puis je vous montre le résultat. Bon, je vous montre le premier, du coup, donc il est pour ma maman, effectivement, il est un peu grand pour moi, donc c'est un M, hop, que vous pouvez porter comme ça, alors moi je vais le mettre comme ça, là, pour le faire bouser un peu, parce qu'il est relativement long, mais voilà, en fait, vous pouvez retrousser les manches ici, hop, pour faire un petit revers, alors forcément, je fais ça très mal et très vite fait, d'autant que je ne suis pas devant un miroir. Mais voilà ce que ça peut donner. Évidemment, faut le faire un peu mieux que ça. Donc le motif, c'est celui-ci. Là, il est en couleur bleu marine. Et franchement, je suis trop fan. Ensuite, du coup, on a celui-ci. Donc Austin Bronte Christie. Hop, je suis vraiment trop fan. C'est pas du tout la même coupe sur celui-ci. On est vraiment sur une coupe un peu plus centrée avec un col un peu plus rond. Je sais pas si vous voyez. Je
obligée de plier les jambes. Voilà, donc trop fan aussi de celui-ci. Vraiment, c'est pas du tout, ça change. Les manches sont plus courtes, mais j'aime trop. Il est assez léger. Alors là, forcément, j'ai un soutif noir dessous, donc c'est clairement pas le truc le plus approprié, mais il est vraiment très chouette et pas si transparent. Il faut juste que je coupe l'étiquette. C'est juste, voilà, je suis tout en noir dessous, donc forcément, c'est pas évident. Mais je suis trop fan et la broderie, elle est vraiment trop quali. Du coup, je vais essayer de faire une transition un peu magique en vous faisant genre. Et la magie a opéré. Et franchement, je crois que celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est mon préféré. Donc, il est rose pâle. Il est vraiment. Donc, j'ai fait un peu mieux les manches. Donc, j'ai fait les ourlets. Et vraiment, celui-ci, j'en suis trop trop fan. La broderie, elle est trop quali. Il est hyper léger, hyper agréable. Donc, celui-ci, c'est un S. Moi, je suis assez grande. Je fais 1m70. Enfin, je suis assez grande. Je suis pas un géant non plus, mais je suis pas petite, on va dire. Et il est relativement long. Donc voilà, je vais le faire blouser comme ça. Alors, pas comme ça exactement. Mais voilà, donc trop contente de cet achat. Et ça va mettre un petit peu de couleur dans ma garde-robe. Voilà, donc trop contente de ces petits achats. Vraiment, je j'ai pas de code promo, j'ai rien du tout. Hein, c'est juste mon petit plaisir à moi. Je suis trop contente, la qualité, elle est top. Ils sont arrivés hyper vite. Donc voilà, encore une fois, bravo Angeline pour le lancement de sa marque, pour toutes ces nouvelles collabs, ces nouvelles créations qu'elle fait hyper régulièrement. Je vous invite à aller voir sur le site parce qu'il y a énormément de choses. J'ai des copines aussi. Il y a Pascal notamment qui a fait son propre t-shirt qui est hyper chouette aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y a très souvent des promos, des codes, etc. qui vous permettent d'avoir quand même une remise sur vos commandes. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant. Et je trouve ça aussi très chouette de changer, d'avoir voilà, des t-shirts que tout le monde n'a pas dans la vie de tous les jours. Alors certes, on est beaucoup à les avoir sur Booksta, mais je sais que voilà, dans mon entourage, j'ai la quasi-certitude d'avoir un t-shirt que personne n'aura. Donc je trouve ça plutôt chouette. Et voilà. Bref, du coup, donc je m'arrête ici. Je vais partir chercher un colis, continuer à lire, et puis je vous reprends demain. Dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. J'étais censée vous reprendre, je crois, vendredi et finalement je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas grave puisqu'entre temps donc j'ai terminé ma lecture du chuchoteur. Donc c'est aussi pour ça que je vous prends pour vous en parler de manière définitive vu que je l'ai terminé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture, sans surprise forcément. Puisque déjà j'adorais ma lecture au fur et à mesure et voilà, par rapport à tous les avis que j'avais pu voir passer, par rapport aux commentaires que vous aviez pu faire également sur ces vidéos, je partais pas vraiment à l'aveugle et je dois dire que voilà, sur les 150 dernières pages, cette histoire elle m'a happée. C'est le dénouement, il est juste waouh, il y a tellement d'histoires dans l'histoire, il y a tellement de rebondissements. Et à la fin, tout s'emboîte comme un puzzle, donc c'est hyper satisfaisant.
C'est tellement oppressant aussi sur les dernières pages que j'étais obligée de le finir d'une traite parce que je n'avais qu'une envie, c'était de connaître la fin. Même si ce matin, j'avoue que je peinais un peu, j'avais les yeux qui se fermaient, j'étais encore assez fatiguée. Donc voilà, vraiment une super lecture que je vous recommande. Je suis trop 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 contente d'avoir découvert ce premier tome de saga. Je suis trop contente aussi de pas laisser, enfin de pas m'être laissée avoir par la couverture qui me faisait atrocement flipper parce que voilà, cette lecture elle vaut vraiment le coup et elle est top. Les personnages sont hyper bien construits, hyper réalistes aussi. On s'attache à eux et notamment à Mila qui est donc l'enquêtrice qu'on va suivre dans cette histoire, dans cette affaire. Et voilà, donc je suis trop contente. Je l'ai lu en lecture commune, donc avec Alizée du conte Un livre à Bordeaux, que je ne vous présente plus puisque j'en parle assez régulièrement, je pense. Et toutes les deux, on a un avis unanime là-dessus. On a eu un coup de cœur pour cette histoire. Donc on lira bien sûr les autres tomes de cette saga. Et moi, j'ai également La Maison des Voix de Donato Carisi dans ma palle, que Alizée a lu, je crois. Et voilà, donc il me fait trop envie. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Et je suis trop contente encore une fois. Donc, lecture terminée, ça y est. Je vous avoue que je suis contente parce que. J'ai le nez qui me gratte. Je suis contente parce que donc ça fait quasiment une semaine. Non, ça fait une semaine que j'étais sur cette lecture. Donc, j'avais aussi envie de passer à autre chose. Mais mine de rien, c'est quand même un gros bébé qui fait quasiment 600 pages. Donc, voilà, je suis contente. Je sais pas du tout ce que je vais lire. Ça va être le moment satisfaisant du dimanche où je vais me planter devant ma bibliothèque pour essayer de trouver ma prochaine lecture. Et ça me met plutôt en joie. Donc, lecture terminée et petit point du coup, colis et achat, puisque j'ai reçu hier deux colis. Et je suis donc, comme vous avez pu le voir précédemment sur les plans de la vidéo, je suis allée faire un tour en librairie et notamment un tour pour me procurer la suite du Chuchoteur qui est L'Écorché. Je ne vais pas lire la quatrième de couve parce que j'aimerais pas du tout que ça vous spoile quoi que ce soit. Je la découvrirai, je pense, quand je vais prendre cette lecture, c'est-à-dire pas tout de suite, mais pas non plus dans un futur si éloigné que ça. On est là aussi sur une couve affreuse. Vraiment, je la trouve horrible, je la trouve tellement angoissante. En fait, ce côté poupée, moi, ça me fait peur. Mais du coup, trop contente et juste. Ce que je viens de voir en lisant la première ligne, on est 7 ans après le Chuchoteur. Voilà, donc trop contente et je pense que je le lirai encore une fois avec Alizée. Donc, voilà, ça c'était le premier achat du jour donc que je n'ai pas réussi à trouver chez Mola. En fait, je pense que vous avez trois plans de librairie différentes. Je suis allée donc chez Mola, ils ne l'avaient pas. Et avant de le commander, je suis allée en fait à la Fnac, donc à Bordeaux toujours, et il se trouve qu'il y était, donc je l'ai pris à la Fnac. Et voilà. Et du coup, en allant à la Fnac, j'ai découvert un nouveau. Alors pour moi, c'est nouveau, mais peut-être que ça fait 6 mois, 1 an que ça a ouvert. C'est juste que vu que j'étais plus à Bordeaux pendant 1 an et 2 mois, je ne savais pas que ce magasin existait. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je sais juste pour les Bordelaises que donc c'est à la promenade Sainte-Catherine. C'est en face d'Easycash, à côté de Lush, etc. En fait, il y a un magasin qui a ouvert qui fait pas mal de choses. Des vêtements de seconde main, style fripe un petit peu, mais également des livres, etc., etc. Et donc, je suis rentrée, je suis allée voir et j'étais assez surprise parce qu'ils ont un corner livre, que ce soit brochet ou poche, qui est assez impressionnant à l'étage. Et du coup, je me suis laissée tenter par un roman qui était dans ma wishlist. C'est Serre-moi fort, donc de Claire Favan. Il y avait également les cicatrices et il se trouve qu'en fait, les poches sont à 3 euros. Donc, je ne sais pas si. Alors là, j'ai le livre vert, mais il ne me semble pas que ce soit ça. Toujours est-il que voici donc le marque-page que l'on m'a mis avec. Et donc Serre-moi fort, c'est un roman qui était, comme je vous le disais, dans ma wishlist. Je n'ai même pas lu la quatrième de couve, donc on va la découvrir ensemble. Serre-moi fort, cela pourrait être un appel au secours désespéré. Du jeune Nick d'abord, marqué par la disparition inexpliquée de sa sœur, il est contraint de vivre dans un foyer brisé par l'incertitude et l'absence. Obsédé par leur quête de vérité, ses parents sont sur les traces de l'origamiste, un tueur en série qui sévit depuis des années en toute impunité. Du lieutenant Adam Gibson, ensuite, chargé de diriger l'enquête sur la découverte d'un effroyable charnier dans l'Alabama, il doit rendre leur identité à chacune des femmes assassinées pour espérer remonter la piste du tueur. Mais Adam prend le risque de trop, celui qui va inverser le sens de la traque. Commence alors entre le policier et le meurtrier un affrontement psychologique d'une rare violence.
Voilà, donc il était, comme je vous le disais, dans ma wishlist, c'est la troisième fois que je vous le dis. Donc très contente de l'avoir trouvé, il est en super état, vraiment vraiment nickel. Et du coup, donc je l'ai eu à 3 €. Donc s'il y a des Bordelais ou des gens qui passent à Bordeaux et que les livres d'occasion vous intéressent, je pense que vous pouvez aller faire un tour, c'est en plein centre-ville. Et voilà, et puis c'est de la seconde main et de temps en temps, moi je trouve ça très chouette. Donc ça, c'était mes deux achats du jour. Et j'ai reçu deux colis qui me viennent tous les deux des éditions HarperCollins. Je les ai donc ouverts, pré-ouverts, donc je sais ce que c'est. Et il s'agit de deux romans de la même autrice, qui est une autrice que je ne connais pas, enfin dont j'ai entendu parler mais que je n'ai jamais lu. Et donc le premier que j'ai reçu, c'est La secte des oubliés de Karin Slaughter, donc aux éditions HarperCollins, c'est un brochet. Et hop, je vous lis la quatrième de couve. Long Beach, 1982. Emily Vaughan se prépare pour ce qui promet d'être une soirée inoubliable, la plus belle de toutes, son bal de promo. Mais Emily a un secret, et à cause de ce secret, elle sera morte d'ici le lever du jour. 40 ans plus tard, le mystère reste entier. Les amis d'Emily ont fait leur deuil, sa famille s'est repliée sur elle-même, et la vie a repris son cours, mais plus pour longtemps. Andrea Oliver, récemment nommée US Marshal, reçoit sa première mission, protéger un juge de Long Beach, mais Andrea y voit surtout l'occasion d'enquêter sur la mort d'Emily. Le tueur est toujours en liberté, j'allais dire en librairie. Et Andrea est bien décidée à le démasquer au risque de connaître le même sort que la jeune fille. L'héroïne de Sombre Visage, adaptée en série TV sur Netflix, avec Toni Collette dans le rôle principal, est de retour dans ce thriller électrisant. Voilà, donc a priori, c'est en lien avec la série donc sortie sur Netflix, Sombre Visage, que je ne connais pas du tout. Et voici donc celui-ci. Et parallèlement, j'en ai reçu un autre, celui-ci, en format poche. Et là, il s'agit de Faux Témoins. Hop. Donc, on n'est pas sur le même format. Et non, ça n'a pas l'air d'avoir un lien. Divorcée et mère d'une adolescente grincheuse, Lee Collier est avocate de la défense dans un prestigieux cabinet d'Atlanta. Son existence, en apparence ordinaire, vole en éclats lorsque son patron lui impose son prochain client. Andrew Tennant, un homme richissime, accusé de plusieurs viols. L'audience est en 8 jours et il n'y a pas de temps à perdre. Lors de leur rendez-vous pourtant, quelque chose cloche. Cet homme la connaît. Il s'agit du petit Trevor qu'elle et sa sœur Callie ont gardé 20 ans plus tôt et dont elles ont arrêté de s'occuper brutalement après un drame. Il semblerait qu'Andrew les en tienne pour responsables et qu'il veuille faire chanter Lee, car les deux sœurs doivent payer pour leurs actes. Voilà, donc celui-ci me tentait trop. Celui-ci, j'ai pas de souvenir, mais potentiellement je l'ai demandé. En tout cas, la quatrième de couve me tente beaucoup aussi. Donc voilà, ça va être l'occasion de découvrir Karin Slaughter, dont j'avais entendu parler, mais que je n'ai encore jamais lu. Donc un grand merci à Mélusine de chez HarperCollins pour ces découvertes, dont je vous reparlerai bien sûr. Et voilà, donc de mon côté, je m'arrête ici. Je suis contente parce que je pense que ce vlog sera peut-être un petit peu plus long que les précédents. Donc c'est chouette. Et de mon côté, voilà, je m'en vais terminer le montage pour vous poster ce vlog dans la foulée et essayer de trouver une nouvelle lecture dont je vous parlerai dans le vlog prochain. Donc j'espère que vous avez, comme toujours, passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et de mon côté, je vous souhaite, comme toujours là aussi, de belles lectures, de belles découvertes, et je vous dis à la prochaine !